Alors, y a des freins, il y en a souvent, surtout quand c'est pas connu. Alors, le tout, c'est de les convaincre et d'expliquer quel est le sens de tout ça. Et voilà. Alors, en général, au travers des rencontres et des petits extraits vidéo, parce que je filme, ça c'est très concret, ça parle. On voit. Moi, je peux raconter ce qui se passe dans le cadre des pratiques et dans le cadre des interventions en établissement de soins auprès des publics vulnérables. Mais le fait de voir des images, voilà, ça c'est un plus. Alors les freins souvent donc sont liés comment dire, à l'inconnu, à quoi ça sert. Donc on sait qu'avec ce média, la musique corporelle, la musique sans instrument, on va venir travailler. Il y a énormément de bénéfices, mais on va rester sur les principaux. Travailler sur la motricité, sur la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique. Mais aussi sur l'image de soi et l'image qu'on peut avoir des autres. Voilà, sur la créativité aussi. On peut, au travers du jeu, j'en parlerai tout à l'heure, s'apercevoir que c'est aussi un bon média pour stimuler la créativité, enfin, notre propre créativité. En gros, la musique corporelle, c'est raconter des histoires aussi avec des sons, des mélodies, voilà. En créant des petites partitions musicales. Souvent, un des trucs qui revient souvent, c'est je sais pas faire de musique, mais justement, découvrir ou approfondir la musique avec le corps, c'est génial. Parce que notre instrument, c'est le corps. Et ça, pour moi, ça a du sens aujourd'hui aussi, parce que on est dans une pratique corporelle qui peut être partagée, transmise partout. On n'a besoin de rien d'autre que d'être là. Donc ça a du sens aujourd'hui dans une époque, dans une ère où on est avec beaucoup de matériel, quoi. On peut tout faire avec un iPad et à la fois perdre l'essentiel, c'est la relation à soi. C'est aussi travailler sur la relation à soi. Faire de la musique, ça veut dire, c'est écouter, hein. Si on fait de la musique ensemble, ça veut dire que je dois absolument écouter ce que je produis et ce qu'on produit ensemble. Donc ça, c'est aussi un prétexte pour être à l'écoute de l'autre. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le défend. Mais la musique reste quand même un langage universel. Hein, c'est aussi comment dire, quelque chose qui va pouvoir stimuler. On peut réactiver la mémoire en écoutant, par exemple, je prends l'exemple. Dans un établissement de soins avec des personnes adultes âgées, voilà, réécouter des anciennes chansons, ça nous fait chanter, voilà. Mais aussi, ça vient à la capacité de susciter les émotions, le plaisir. Bon, il y a plein de choses à décliner avec tout ça. Il y a plusieurs choses. Il y a les stages, les pratiques, hein, les stages pratiques. Alors, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, on va dire découverte, perfectionnement et un peu plus péchu. Ça, c'est une chose. Ça fait des années que je transmets et que j'interviens dans le cadre de mon métier auprès de différents publics. Ça, c'est très riche parce qu'à chaque fois, il faut adapter au public. Alors, du coup, j'en suis venu à vouloir créer ma propre formation avec le média percussion corporelle, musique corporelle, hein, c'est musique sans instrument, donc musique avec le corps, mais aussi avec les objets. Les objets du quotidien, par exemple en crèche, on utilise les objets que les enfants utilisent dans le cadre de leur quotidien. Voilà. La formation que je propose, qui s'appelle donc la musique au service de votre métier, est une formation qui a plusieurs modules, hein. Il y a 2 jours, puis 2 jours. En gros, on acquiert une boîte à outils adaptable à nos publics. Comme je le disais, j'ai pensé un peu large en me disant, ok, ben, comment faire pour que ce soit utile à plusieurs corps de métier? On est quand même dans le médico-social ou dans le sanitaire et social, qu'on soit dans un établissement de soins, aide-soignante ou animatrice, éducatrice, ou aussi professeur de musique adaptée, hein, pour des personnes qui sont en situation de handicap ou pas. Hein, on n'est pas, ça ne s'adresse pas que aux personnes vulnérables et en situation de handicap. Voilà. En gros, cette formation, elle permet d'acquérir une boîte à outils, mais aussi, dans le cadre des équipes, de travailler sur la cohésion d'équipe, sur le travailler, le vivre ensemble, enfin le travailler ensemble. Comment
comment travailler ensemble, comment accueillir les propositions de l'autre, comment communiquer avec l'autre, mais aussi comment suggérer plutôt que d'imposer les choses. Bref, on parle de communication non violente, mais aussi c'est quelque chose qui permet d'ouvrir les consciences aussi sur soi-même, quelle posture je suis, comment je m'adresse à l'autre. Bref, la communication non verbale, voilà, le corps parle beaucoup. Le fait de pouvoir aborder ça au travers des jeux et du ludique, hein, donc c'est très ludique. Dans les formations que je propose, on passe pas mal de temps à rire. C'est aussi un brise-glace, donc voilà, le brise-glace, les jeux de connexion, tout ce qui se passe en amont avant de faire des choses un peu théoriques sont essentiels pour pouvoir installer un climat bienveillant et ludique, quoi. Parce que c'est plus facile d'apprendre dans la joie et la bonne humeur.